Le prince William devrait s'inspirer de la reine plutôt que de son père pour savoir comment être roi. L'expert royal Richard Fitzwilliam a réfléchi à ce que sera probablement le prince William en tant que roi et chef de la monarchie. Lors d'une interview avec express.co.uk, M. Fitzwilliam a noté que William considérait la reine comme l'une de ses plus grandes inspirations. Il a ajouté que le duc de Cambridge s'inspirera de la reine pour savoir comment être le monarque en chef plutôt que son père, le prince Charles. Il a conclu que le prince William sera un roi moderne, contrairement à la reine, mais parviendra à conserver la mystique de la famille royale. Monsieur Fitzwilliam a déclaré : Nous savons que le prince William s'inspire de la reine. Le prince William est inspiré par la façon dont la reine gère les choses. Il s'agit de savoir si la société change, la monarchie change avec la société. Dans une certaine mesure, la famille royale reflète ces changements, mais il y a évidemment une certaine mystique, un cache. Je suis sûr que le prince William honorera cela, nous savons que la reine est son inspiration. Point. Je ne pense pas que vous puissiez trouver une meilleure inspiration, ce ne serait pas possible. D'autres experts royaux ont ajouté que le prince William et Kate se prépareraient déjà à leur rôle de roi et de reine. L'experte royale Angela Levin a félicité William et Kate pour leur accessibilité au public. En parlant à GB News, elle a noté que le couple abandonnerait certaines des attitudes du prince Philippe et de la reine pour leur reine. À ce sujet, elle a déclaré : Je pense que cela fait partie de l'héritage de la princesse Diana. Elle a montré ce qu'elle ressentait, si elle voulait embrasser ses garçons, elle le ferait. Elle était très démonstrative. Je pense que c'est l'une des choses qui ont persisté pour le prince William. De plus, la vie continue et je pense que Kate, la duchesse de Cambridge, l'a fait aussi, elle est très naturelle et vient d'une bonne famille. La discussion sur la question de savoir si la famille royale devrait tout garder, la reine et le prince Philippe l'ont fait. Kate et William sont beaucoup plus émotifs maintenant et je pense que cela les rend beaucoup plus accessibles au public.